Quand tu rentres chez Bébévision, car c'est ça son nom, tu es surpris de voir des jeux vidéo partout et les consoles de toutes les générations. C'est le paradis. Bébévision a fêté ses 80 ans. Toujours toute sa tête, mais puis toutes ses dents. Mais cela ne la gêne nullement. Sauf pour croquer des pizzas, évidemment. Elle a rarement bougé de son canapé. Mais elle est connue dans le monde entier pour avoir plusieurs fois gagné des championnats de Street Fighters et de Mortal Kombat. Entre quatre murs devant son écran géant, c'est là qu'elle passe la plupart de son temps. Sur le guéridon, une photo de Miyamoto, le créateur des frères Luigi et Mario. Des consoles de salon, c'est une déesse. Il faut dire qu'elle est capable des plus grandes prouesses. Rien ne l'effraie, rien ne lui fait peur. Elle peut jouer sans s'arrêter. Plus de 12 heures dans le salon. Le bébé vision, pas de question. Pour un champion de rustique, des impasses au joystick. Si Julien le verse, Marie Paris dans le salon. Le bébé vision, pas de question. Bébévision, vidéo, mais aussi débat. Une vie dans le si comme un jeu vidéo. Elle en a marre d'être toujours en solo. Vivre seul ne permet pas le débat. Avoir une manette dans chaque main ne change rien. Bébé se sent seul comme un chien. Mais quelle bonne idée, un animal de compagnie. Bébé va s'acheter un Tamagotchi. Beaucoup de gens s'inquiètent pour sa santé. De la croire si loin de la réalité. Les jeux vidéo ne sont pas de son âge. Il faudrait qu'elle arrête, tout ça n'est pas très sage. Les bébés ne vivent pas dans le monde virtuel. Elles font des confitures, des napperons en dentelle. Mais elle, ça la fait bien rigoler de proposer une partie plutôt qu'une tasse de thé dans le salon. Le bébé vision, pas de question. Pour un champion de rustique, fais sa place au joystick. Si Julien le verse, Marie Barbie dans le salon. Le bébé vision, pas de question. Pour un champion de rustique, fais sa place au joystick. Si Julien le verse, Marie Barbie. Si tu aimes les jeux vidéo, tu cries hey. Joystick, si Julien le perd, famille panique dans le salon. De même vision, pas de question. Pour un champion de rustique, laisse la place au joystick. Si Julien le perd, famille panique. Si tu aimes le jeu vidéo, tu dis hey, oh. Oh ouais. Oh ouais. Hey, oh. Oh hey, oh. Hey, oh. Hey, hey, oh. C'est quoi? C'est Monkey Bee et... C'est déjà venu. Attendez, attendez, je cherche mon chat. Ton chat? Oui, mon chat. Attends, je réfléchis. Écoute, on va faire un petit jeu ensemble. Jacques a dit.
Tu fais tout ce que je te dis. Je te dis où il est, ton chat. Tac. Vous avez entendu? Est-ce que vous êtes pas amené à retrouver mon chat? Alors mettez-vous tous debout. Vous, vous allez faire mon kibi et la bricole. Nous, on fait l'homme au mille verrous. On va vous demander de chanter les choses, il faudra les chanter. On va vous demander de faire des gestes, il faudra les faire. Est-ce qu'on a compris? Si tu veux que j'ouvre la porte, tu dis ah. Si tu veux que j'ouvre la porte, tu dis ah. Si tu veux que j'ouvre la porte, tu dis eh. Si tu veux que j'ouvre la porte, tu dis eh. Personne chez moi, je veux personne chez moi, j'ai dit. Personne chez moi, je veux. Ok? Personne chez moi. Pour entrer chez l'homme au numéro, il faut montrer planche pâte et cogner les genoux. Pour entrer chez l'homme. Personne chez moi, je veux personne chez moi. Suffisamment dur pour nous de venir jusqu'ici dans la forêt du bois béton, on avait tellement peur.
Et en même temps, on a bien fait parce que on a rencontré des gens rigolos et sympathiques qui nous ont soit bien aidés ou soit bien fait marrer. Alors toi aussi, tu dois nous aider, autrement on le trouvera jamais dans cette grande tour. Dis-nous où il est plus l'over. Voilà ce qui va t'arriver, le momivirus, si tu continues à faire comme tous ces Mister Blabla du centre-ville. Hein, ils se cachent pas derrière une porte comme toi. Ils se cachent derrière des histoires qu'ils racontent mais qu'ils ont pas vécues. Pour se la péter. Hein. Il y en a même un qui m'a raconté une histoire. Tu veux que je te dise, le momivirus, tu veux que je te dise, le momivirus, franchement aussi. Celui qui saute pas, c'est Mister Blabla. Chef Norris se mettre une claque, ça j'ai déjà fait. Dormir dans un lit au carré, ça j'ai déjà fait. Plus de 10 minutes sans respirer. 1, 2, 3, être griffé, 4 ans de télé, ça j'ai déjà fait. Planquer de cantine le mémé, ça j'ai déjà fait. Et Mister, tout ça c'est du bla 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 bla. Mister, tout ça c'est du bla 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 bla. Et Mister, tout ça c'est du bla bla bla. Qui vous pousse au dégoût, l'avenir est un son repassé. Un mélange se tourne bien que mal rasé. On ne m'appelle plus pas la peine de m'appeler même aux places. Pour un air de blasé, des souvenirs sont autant de traces que de ma vie. Sans regret, j'efface tout vu, tout vécu, tout su, tout perdu, tout lu, tout connu, tout vu, tout vaincu. Et Mister, tout ça c'est du bla 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 bla. Mister, tout ça c'est du bla 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 bla. Et Mister, tout ça c'est du bla 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 bla. Mister, du bla 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 bla. Mister, tout ça c'est du Mister, tout ça c'est du Mister, tout ça c'est du